Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors, Ilona et Julien Berthe annoncent cette fois-ci leur rupture définitive. Je vous laisse avec la vidéo. Je me suis un peu exprimée sur les réseaux sociaux, sur Insta, mais très légèrement, et j'en parlerai pas plus puisque c'est une rupture définitive cette fois. J'ai même rendu la bague, voilà. Je vous avais toujours dit que je la gardais jusqu'à ce que je sois sûre, et je pense que là on l'est, je pense qu'on a tout essayé, que ce soit lui ou que ce soit moi, et que malheureusement dans la vie des fois il n'y a plus rien. Je pense qu'on est assez adultes tous les deux pour comprendre les choses et essayer de les exécuter avec le plus de savoir-vivre possible et le moins de haine. Je sais pas comment ça se passera dans le futur, si on arrivera à se côtoyer correctement, ou je sais pas. Mais pour le moment, il n'y a pas de haine. Voilà. Donc c'est déjà très bien, parce que généralement ça se finit pas aussi bien. Prendre les choses comme elles sont, il faut se dire que des fois dans la vie c'est comme ça. Et c'est juste une très belle histoire. Voilà. Cheveux qui a relevé, enfin, il était temps. Et voilà, j'espère que tout va bien pour vous et vous m'avez beaucoup manqué. En tout cas. Ouais, les petits loustiques, sachez juste un truc, c'est que ça va, on n'est pas au fond du seau, ni elle, ni moi, tout va bien. C'est juste la vie, c'est les choses qui devaient arriver. Voilà, on a essayé, réessayé, j'ai tout fait, tout essayé. Comme vous avez pu suivre, ça marche pas. Et quand il faut pas plus forcer, quand on n'y arrive pas, on n'y arrive plus, tu vois. Que ce soit elle et moi, et c'est mieux comme ça, on se laisse pas en mauvais termes, il n'y a aucun problème. Voilà, on se verra pour les chiens, je les verrai très très souvent, parce qu'ils vont me manquer terriblement. Mais voilà, on se souhaite que du bonheur, et il y a des belles choses qui m'attendent, il y a des belles choses sûrement qui l'attendent elle aussi, et c'est la vie, c'est comme ça. Et on repart à zéro, et on se relance, et la vie elle est belle, et il y a plein de belles choses qui nous attendent.